Ah oui, Forêt dit de vous laisser passer. Bon, tu ferais bien de l'accompagner. Bien tenté, Mungo. C'est ton tour, et tu le sais bien. Ah, crotte! Bon, allez, suivez-moi. Bon, je vais pas plus loin. Cet endroit n'est pas sûr, savez? La ville grouille de fantômes. On dit que ces pauvres diables ne savent même pas qu'ils sont morts. Faites quand même attention à vous en cherchant ces... ces glyphes, c'est ça, hein? Vous n'êtes pas le premier à venir tenter de dénicher des cailloux sculptés, vous savez? Mais les autres n'ont pas été déçus du voyage. Maintenant, ils pourrissent au soleil. Allez, bonne journée quand même! Et c'est le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Fable Anniversary. Je préfère lancer tout de suite parce que sans faire exprès, ça a lancé la cinématique. Donc j'espère que vous savez bien que vous pétez le fond parce que moi oui. Et donc on va s'occuper de la nécropole aujourd'hui. On va tout fouiller hein. Voilà. Alors celle-ci. Un coffre. Nice. Donc, j'espère que vous avez bien oublié la forme. Attendez, là je parle pas très fort, mais bon. Je n'ai jamais voulu être une porte démo. Si seulement j'étais un coffre, je ferais n'importe quoi. Ah d'accord. Alors... de là maintenant. Je vous fais un peu d'argent. Pourquoi pas. Fonction de santé, rien. Non,
Celle-là, j'ai déjà fait, je crois. C'est celle-là. Le coffre à 25, j'ai pas assez. Je reviens ici quand j'aurai tout quoi, toutes les clés. Sur en vidéo parce que j'en ai, je sais. Ça, je sais que j'en ai loupé. Tablette d'Iron. Deux tablettes. Tablette de Morik, plus qu'une tablette. Ce coffre avant. Potion de force, bon, je suis déjà en full force donc ça sert à rien. Dire ça sent un gros boss ici au retour, un gros truc de glace, un troll de glace. Ah, il est là. Peut-être dû la fermer. C'est bon. Ah oui. Bon. Voilà. DJ. On est vraiment très loin de la fin d'empêche. Hein. Il meurt là. Ah. Pour d'être détruit. Let's go.
peu, j'avais zappé ça. Héros, c'est moi, Zafo. Félicitations pour les glyphes. Et on se téléporte pour se rendre directement à village de Snowspire. Maintenant, vous devriez rentrer. Ah, je sais, j'y suis déjà. Vous recevez une nouvelle quête. C'est un bon séjour. Ouais, dans la prochaine vidéo, on finira le jeu. C'est l'avant-dernière. La prochaine, ce sera la dernière. Vous avez trouvé les glyphes. Bien. Il est temps de rentrer pour tirer l'oracle de son profond sommeil. Oh, grand oracle, accorde-nous la connaissance. Dis-nous quel mal grandit sur ces terres. La prophétie s'accomplit. Voici l'homme de la guilde. Vous suivez les traces de celui qui portait le masque avant vous. Jack of Blades a réveillé le pouvoir dormant des invocateurs. Il a généré sa nouvelle forme derrière la porte de bronze avec votre sang. Mais son masque des âmes vous permettra d'alimenter le sanctuaire d'Archon et d'ouvrir la porte. Allez maintenant, allez affronter votre destin. Jack a encore trompé la mort. Nous n'avons jamais rencontré quelqu'un comme lui. Je ne vous envie pas. La porte de bronze était un symbole de malheur ici. Allez voir Eglantine au sanctuaire. Elle sait peut-être comment fonctionne le masque des âmes. Je dois rentrer à la guilde. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Vous recevez une nouvelle quête. Vous êtes au courant ? Ah, si je connaissais les expressions pour... Qu'attendez-vous ? Ah, ici. Ah, oui. Le signe d'Avisto. Vous pouvez donc écouter l'histoire de la Terre. Je sais des choses intéressantes sur Archon. Notre époque ne comprend décidément plus rien à l'ancien royaume. Archon est un nom qui a traversé les générations. Une dynastie de puissants rois unis par le même sang. Et par la possession de l'épée des âges. Quand Jack l'a trouvée, l'épée n'était plus que l'ombre d'elle-même. Et le nom d'Archon s'est tellement détaché des réalités de ses rois qu'il n'a plus vraiment de sens parmi les hommes d'aujourd'hui. Mais l'ombre du premier Archon plane encore sur ce monde. Un monde qui n'existerait pas s'il ne l'avait pas pris au dieu à qui il appartenait avant l'âge des hommes. On va se déporter au sanctuaire. Sanctuaire d'Archon, tout en bas. Voilà, ici. C'est bon de vous revoir. Ces inscriptions sont fascinantes, vous savez. Tout indique que la nouvelle forme de Jack émergera de la porte de bronze, et cette structure est la clé qui permet de l'ouvrir. Mais il semble que le mécanisme nécessite les âmes de trois héros pour s'activer.
Les choses ne sont jamais simples, n'est-ce pas? De plus, ils ne demandent pas n'importe quel héros. La première instruction exige le roi de la reine, rien que ça. Bien sûr, vous pouvez toujours vous trancher la tête, mais je n'aurai plus personne pour mener cette tâche à bien. Si vous rendiez visite à Tonnerre, il connaît tout sur la reine. J'ai vérifié auprès de la guilde, il se trouve à Knossel Glade. Vous avez le masque de Jack? Bien, il vous servira à piéger les âmes. Je n'arrive pas à croire qu'il soit peut-être vivant. Bon, je ferai bien de commencer à chercher la deuxième inscription. D'accord, donc on va aller voir Tonnerre à Knossel Glade. Et nous avons une affaire à régler. Alors j'ai le choix soit... Je crois que j'ai le choix. Ça suffit. On n'a pas besoin de héros. C'est la première fois depuis des années que nous ne sommes pas attaqués ou agressés par quoi que ce soit. Fichez-nous la paix! Vous... Églantine vous a annoncé. Je vais vous dire ce que je sais, si ça peut me débarrasser de vous. On nous a appelés tous les deux les rois de la reine. Mais de nombreux héros ont revendiqué ce titre par le passé. Vous devriez chercher dans la poussière de la reine elle-même. On dit que les âmes des anciens champions hantent toujours les lieux de leurs plus grands exploits. Partez. À moins que vous ne soyez là pour prendre mon âme. Votre dame adorerait ça. Pourquoi faire tout ce chemin jusqu'à la reine? Je crois voir une âme qui convient. Juste. Eh ben non, désolé pour vous. Enfin. Bah non. Je sais pas. Est-ce que c'est encore avec les Y? Ouais, puis merde. Je vais le laisser vivre, j'avais déjà bien fait souffrir lui. Donc on va faire la première âme. La première des âmes sur 3. D'ailleurs, Lady Grey, elle a disparu, je sais pas où elle est. La bugué. Toi, tu me laisses tranquille. Ah, c'est bien, tu invoques des mobs. On fout complètement. Allez, la reine de Witchwood. On va laisser faire ça. Et si on a fini rapidement, on fera aussi la prochaine chose. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les choses sont apparues dans les cellules et ont tué tout le monde. Invocateur, encore une fois. Peur d'affronter un autre héros? Très bien. J'ai préparé quelques divertissements pour toi, Oh.
Il y a vraiment du haut, il n'y a plus personne. Donc, ce qui reste à faire, c'est prendre cette âme, les deux autres âmes, et après aller battre Jack, si celui-ci, j'ai bien compris. Bien sûr. Mesdames et messieurs, c'est un événement vraiment unique. Contemplez un héros taillé en pièces par des trolls et les minions de Jack. Ah, je me rappelle comment on le fait pour faire des dégâts. Ah, je suis tout gol. Très simple en plus. On va envoyer le rocher. En leur voyant le rocher. Voilà. Les minions de Jack reviennent et ils ne sont pas seuls. Notre héros va bien s'amuser. Survivra-t-il à une autre vague de bestioles à fourrure? Espérons que non. Voilà. Mesdames et messieurs,
Venu tout droit de la belle Snowspire, voici les invocateurs. Ah, j'ai vu où qu'ils sont les invocateurs. Arrête de raconter la même chose tout le temps, s'il te plaît, Jack. Désolé, je me concentre, je parle pas beaucoup. J'attends qu'il explose. En attendant, moi je prends tout ça. Et il explose. Âme des héros. Tu as donc trouvé ta première arme. Mais le sanctuaire est toujours plus gourmand. Il en voudra d'autres avant d'être rassasié. Je me demande quelle sera la prochaine. De la reine, revenez au sanctuaire, nous verrons si ça fonctionne. Go au sanctuaire. J'espère que ce truc marche. Il faut libérer l'âme du masque et... je n'en sais pas plus que vous sur la suite. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Comme si cette chose utilisait l'âme pour s'alimenter. Bon, la deuxième inscription a été déchiffrée. Elle dit... l'héroïne. Je ne vois personne qui corresponde à cette description mieux que Scarlet Robe, votre mère. Il y a moi, bien sûr, mais comme vous le voyez, je suis toujours en vie. Et je compte bien le rester. Vous devez vous rendre à nouveau sur sa tombe à Hogval. Je sais que ce ne sera pas facile, mais Scarlett était de celles qui se sacrifient. Vous vous souvenez? Eh bien, nous allons nous arrêter là, et on fera ça la prochaine fois. Donc j'espère que cette vidéo sera plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheStep.gtbanHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.